Ah, ah non. Non, après les boulettes. Voilà, franchement. Ah merde, le stream. Hey les gars, bienvenue, 19h, c'est l'heure d'un nouveau stream. Ben aujourd'hui on va faire un shmup, je pense. Oui, je goûte le... Oui, c'est un shmup. Et donc, c'est Sidearms que nous allons étudier. Vous voyez ce beau visuel que je vous ai déjà posé d'avance alors que ben, je me lève, hein, j'avais pas vu, j'aurais dû l'enlever et puis faire salut! Et là ça faisait un effet stream aware quoi. Sidearms, ben, vieux jeu, hein, parce que ça date quand même de 1986, le Pepper. Donc c'est un pré-R-Type quelque part, hein, shooter horizontal, on ne peut plus classique, mais qui va essayer d'inventer 2-3 trucs, notamment les upgrades progressifs, et puis un parcours qui va vite s'avérer plein de beaucoup de grosses méchantes embûches passées le premier niveau. Mais mieux que d'en parler comme d'habitude, on va mettre les images en couleur d'ailleurs. Le petit fail de démarrage, s'il vous plaît. Je peux l'avoir? Comment ça, tu as oublié d'enlever le visuel à l'écran? Où je suis totalement d'accord. Mais vu que j'ai mon fail de démarrage, je vais en profiter pour enlever le visuel, et d'une, et ensuite faire le setup qui était déjà fait et tout à fait correct du jeu, mais qui aime bien se rappeler. Genre, tu pourrais faire le setup de fer? Je vais vous remonter le son parce qu'il a l'air particulièrement horripilant et je voudrais pas être seul à en profiter. Hein, en général, quand tu as du bruitage 8 bits bien hardcore, c'est important que l'audience puisse partager ce moment de bonheur intense. Sidearms 2, le retour, nous y allons. Et le fail perdure. Non, c'est gentil de vouloir marcher certains jours, les jours impairs en particulier d'ailleurs. Une petite démo, on peut voir. Oula, c'est mon retour qui est très très fort. Donc, comme on peut le voir, bah oui, bon vieux scroller horizontal avec upgrade d'armes. Et vous pouvez, si ma mémoire ne me fait pas défaut, choisir à la volée le changement d'arme indirect. Il se trouve qu'il ne faut pas trop déconner avec, puisqu'il y a certains passages qui vont nécessiter impérativement l'usage d'un type plutôt que d'un autre si vous ne voulez pas vivre un véritable calvaire insurmontable. Alors on peut changer de direction, je ne me rappelle plus de ça. Je peux pas tout me rappeler, hein, les images. Alors c'est quand même très très rigolo les visuels des bonus qui se baladent d'un jeu à un autre, qu'on retrouve de jeu en jeu selon les équipes de programmation. De là à dire qu'il cherchait pas trop à se casser le dos. Je suis pas comme ça. Sidearms, me voilà. Restes-tu jouable en 2018? Oh, ça pique. J'ai mal. Je vais baisser le son. J'aurais bien baissé. Ah! J'aurais bien baissé le retour. Pourquoi il se retourne là? D'accord, quand j'ai un tir mono, je peux tirer devant et derrière. Et j'ai un superbe Supra Giga Olga bouclier. Le Olga était peut-être un poil de trop, c'est vrai. Mais voilà. Normalement, je peux changer de tir. Yes! Elle est pas belle la vie? Et alors, moi, dans Sidearms, ce qui m'avait marqué, c'est cette musique. Qui ne ferait pas tâche en ce moment à l'Elysée, hein. Genre on se la pète, on y croit, on marche sur la gueule des autres, parce qu'on aime ça. Et donc, oui, je trouve cette musique pathétique, comme mon jeu d'ailleurs. Je suis mauvais. Alors un truc qu'il va falloir noter, vous vous rappelez mon affection pour les jeux qui vous font repartir à poil une fois que vous crevez, qui vous font perdre tout votre armement chèrement acquis? Eh ben, je pense que c'est ce qu'on va vivre dans Sidearms, puisque monsieur n'est pas avare en méchanceté. Et qui va probablement me faire la misère dans pas longtemps. J'ai pas un plus mieux tir que ça, parce que là, les grenouilles mutantes, qui ne le sont pas d'ailleurs. Ah, putain de sa mère. Con 2000, je veux te tirer derrière. Alors, je remarque d'ailleurs, alors je m'égare, hein, mais je remarque d'ailleurs qu'en 2018, la phrase con de mime est encore beaucoup utilisée par beaucoup de youtubeurs qui font du gaming, et ça fait super plaisir. Parce que les mimes sont des cons, hein, c'est... J'ai pas une microseconde d'invincibilité, moi, quand je démarre. C'est la coutume, hein, normalement. Mais bon, on est en 87, les coutumes, c'est pas encore au point, on va dire.
Le papa derrière, t'as entendu parler toi? Non, jamais, ok. Donc j'arrive à poil devant le boss, ça va super bien se passer puisque je suis un dieu vivant du shmup, vous le savez très bien, ça fait plus de 300 streams que je vous le dis. Et personne ne me croit toujours. Pourtant, regardez-moi cette souplesse. On dirait Nadia Comaneci qui aurait fait... Je ne dirais pas quoi d'ailleurs. Qui est Nadia Comaneci? N'étiez pas né les gars. À moi. J'ai pas encore le méga tir. Il y a un tir normalement qui tire tout autour. Ça doit être le Freeways. Non, mais cette musique, ça fait film noir et blanc à 12 images secondes des années 30. On s'attend à voir Charlie Chaplin surgir ou l'autre cascadeur dont j'ai complètement bouffé le nom là. On va dire c'est moi, oui. Je suis le cascadeur dont on a bouffé le nom. Je ne peux plus changer de tir, hélas. Je suis malheur, je suis déconvenu, je suis décrépitude en devenir. Je ne supporte pas cette musique. Soyons très clairs, je ne supporte pas cette musique de merde. J'ai pas un bouton pour changer. Non. Je peux changer de sens éventuellement. Ok. Bon, on va attendre le prochain bonus, hein, sagement, comme à mon fils. Transmutation, oui! Et là, ces espèces de margoulins, c'est une expression copyrightée, hein, faites gaffe, ne l'usez pas trop, puis à force de l'user, elle va être fragilisée de toute manière, comme toutes les vieilles expressions. Et donc je disais, ce margoulin là, on a pris plein la fiole. Alors, là où le jeu est relativement fair play, c'est que par rapport au bordel sur l'écran qu'on vous affiche, merde, je ferais mieux de regarder où je mets les papates. Vous avez quand même une vélocité dans le déplacement qui est assez sympa. Ça veut dire que si vous évitez pas les boulettes, c'est que vraiment vous avez des envies de suicide. À moins de faire comme moi et de se jeter dessus carrément, mais là n'est pas vraiment le propos. Hop. Et du coup, ouais, c'est un super avantage dont il faut user et abuser, mais faire gaffe à pas s'éclater contre les gens parce que ça ne se fait pas, c'est pas très très bien. Cette musique insupportable. Alors, je vous fais voir des passages que je ne connais pas, puisque le jeu, moi, je l'ai lancé une fois, vu qu'à l'époque, j'étais un de ces gens qui achetaient tous ces jeux sur Amiga, bien entendu, et qu'on avait une version Amiga, of course, mais qui ne m'a pas beaucoup éclaté, quoi, pas plus que ça. Lui, il me gonfle. Le bonus des fois, pour le voir sur le fond, c'est assez extravagant. Alors, il va falloir casser toutes les petites toiles les unes après les autres sans se jeter sous les boulettes. Oh, toute ressemblance avec un boss de fin de jeu d'un jeu SNK serait purement fortuite. Mais ce jeu n'était pas encore sorti, je crois, à cette époque-là. Donc de là à dire que chez SNK, ça repompe, bah oui, de toute façon, dans le jeu vidéo, pompe et repompe sont déjà les verbes les plus en usage du moment qu'on parle de fabriquer quelque chose. On va quand même pas fabriquer un produit trop original, on n'est pas sûr que ça se vende, ce serait mortel. Je bosse bien quand je dis des conneries dedans. Non, c'était pas des conneries. Mais il me fait vachement penser au boss final de Cyberlink. Bah le pattern c'est pareil. C'est kiff kiff mais en moins compliqué. Non, je suis pas du tout en train de m'endormir. Ah là. Bah oui, c'était, ça faisait plaisir de mourir parce que là je commençais vraiment à me. Comment dire? À muer. Alors les déplacements sont très très vifs. Hein. Je pense que c'est en partie dû à l'émulation aussi, soyons honnêtes. Piou. Oh putain, il me faut un vrai tir là, les gars. Pas un truc qui tire juste droit, on va pas y arriver. Aïe, ça pardonne pas, hein. Donc c'est là que tu vois que quand même. Faut faire marcher tes petites myrtilles parce qu'il y a un boulot de mémoire. Tu te souviens? Non, me souviens pas. Tu t'es craché? Oui, mais craché, ça c'est sûr. Ma seconde d'invincibilité là, les gars, respectez-la. Est-ce que Sidearms est sélectionné? J'arrête pas, oh, je suis une bouse. Bah oui, il est sélectionné puisque, à défaut d'avoir mieux,
Il aura éclaté toute une génération de joueurs qui aimaient bien les jeux de boulettes. Et puis il a le bon goût de faire varier le scroll vertical, horizontal. On va pas lui reprocher, ce serait quand même méchant. Toi tu vas me cailler dessus, mais jusqu'à la Trinité quoi. Oui, bon ça c'était trois vaisseaux pour le plaisir. J'imagine que le mec qui passe en pièces tout ça, il doit tirer un poil de la gueule. Putain de missile débile! Alors le pépère, j'avais prévenu, hein. Premier tableau, bah, c'est le tutoriel, hein. Ils sont sympas avec vous en général sur les premiers tableaux dans les jeux. Mais après, c'est votre fête, c'est votre totale fête quoi. Après. On va aller jusqu'au boss, puis après je serai très très heureux de vous laisser découvrir le reste, parce que moi ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse vraiment pas. I'm not in the mood, man. I'm not in the mood. I'm sorry. But this shall happen someday. When I will be dead. Ok. Ce truc me supragonfle. C'est le but, hein, vous me direz, mais... Mélangez au petit missile autoguidé. Forcément, ça devient vite un enfer si vous vous débarrassez pas de ce qu'il faut comme il faut. Et n'ayant jamais abordé ce niveau, forcément, j'arrive comme un con et je me crache. Et ma seconde... Respect my second invincibility. Là, il y a eu trois séries de vaisseaux passés pour rien, quoi. Bon, on va y aller à la connard. Voilà. Bonjour, je suis connard. On peut enfin discuter. Après trois crédits bouffés pour que dalle. Merci. Avec ce pattern totalement inédit, hein, je sais pas comment je vais passer, là. Comment ça, je suis un poil méchant avec ce jeu? Ben oui, 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 je vous le dis, il a plu à beaucoup de monde, mais... Les avis, ils sont faits pour être partagés, mais pas uniques. Donc que le jeu soit bien, oui, j'en suis totalement conscient. Maintenant, de là à ce que ce soit de la pure éclate, ben oui, si on aime bien se faire défoncer... Trois vaisseaux d'affilée pour un truc de con, parce que, détail, le mec, au lieu de laisser 1 seconde 5 d'invincibilité, il a laissé 0,5 secondes. Ça fait partie des détails qui vous fatiguent quand vous avez bouffé du schmuck toute votre vie. Ça y est, j'ai exprimé ma méchanceté. Puis c'est cette musique de guerre qui me rend très hargneux, je crois. La mua, c'est bonux. Puis la vivacité du déplacement, quand même, c'est... On va dire que c'est des murs. Je meurs et on arrête, car mon calvaire ne saurait durer plus longtemps. Je pourrais pas avoir le méga bonus du début, et eux ils ont le droit de passer à travers des corps, mais moi... Yalla. Yalla yolo, yulu, li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 l